Bonjour tout le monde, bonjour Aurélie. Bonjour Jérôme. Et bonne Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, c'est notre privilège à nous qui vivons ici, une fête chaleureuse, pleine de surprises. On va la redécouvrir tous ensemble. Et plus qu'une fête, c'est une véritable tradition très ancienne, gourmande également. Nous irons le vérifier à Épinal en dégustant pain d'épices et chocolat. Le Saint-Nicolas. Le Père Fouettard. Le boucher. Ils reviennent chaque année dans nos villes et nos villages. Nous les retrouverons tout le long de cette émission spéciale. Et sage ou pas sage, vous verrez tous les plus beaux moments du défilé de Nancy. D'ailleurs, juste histoire de se mettre en appétit, voici un avant-goût. Les Français ont élu la place Stanislas comme le monument préféré des Français 2021. Et je songeais qu'il y a 50 ans, j'étais là comme tous ces petits-enfants qui venaient accueillir le Saint-Nicolas, mais il y avait aussi le Père Fouettard à l'époque. Je crois qu'on l'a un peu mis de côté. Mais si vous voulez, j'ai beaucoup d'émotions de me retrouver sur cette place qui est sublime. Et surtout après un an où cette fête a été supprimée, on sent bien le désir de se retrouver, de faire la fête. Saint-Nicolas, c'est trois personnages à la fois. Il y a le personnage historique dont on a quelques traces, le personnage religieux que l'on peut voir dans certaines églises de Lorraine dont il est le saint patron, et puis c'est aussi au fond ce personnage magique qui récompense les enfants. Mais Jérôme, pour revenir au personnage historique, est-ce que l'on sait à quelle époque il a vécu ? Oui, on sait qu'il a vécu au tournant du 3e et du 4e siècle. Donc si mes calculs sont bons, cela lui fait 1700 ans. Bien tapé. Voilà. Plus sérieusement, que sait-on de lui exactement ? Alors, on sait que Saint-Nicolas est né à Patar. Patar, c'est en Turquie. La ville dont il est devenu évêque, c'est la ville de Myre, vous le savez toutes et tous, qui est devenue Demre. Saint-Nicolas, il est connu de son vivant même. Hein. C'est quelqu'un qui fait de bonnes actions. Il a sauvé trois jeunes filles de la prostitution. Il a sauvé trois soldats injustement condamnés à mort. Et puis, il a fait des miracles, Saint-Nicolas. Et il est connu partout dans le monde ? Il est connu dans beaucoup d'endroits du monde, puisque c'est le saint patron de la ville de New York, de la Russie, de Bari. C'est aussi le protecteur de nombreux métiers, par exemple les marins, les avocats. Et puis c'est le saint patron, vous le savez, des écoliers et des enfants sages. Alors, quel est le rapport avec la Lorraine ? Comment est-il arrivé chez nous ? On file à Saint-Nicolas-de-Port pour le savoir. Saint-Nicolas est fêté partout en Lorraine, partout dans le Grand Est et même aux frontières de la Lorraine et du Grand Est chaque 6 décembre. Il y a un vrai lien puisque Saint-Nicolas est le patron des Lorrains. Patron catholique certes, mais c'est une vraie fierté lorraine et c'est à Saint-Nicolas-de-Port que bat le cœur de la Lorraine. Saint-Nicolas, parce qu'il y a une relique qui est apportée de Bari, en Italie, par Albert de Varangéville, ayant eu dans ses rêves, dans ses songes, une commande de Saint-Nicolas, l'évêque de Myre, de rapporter en terre lorraine la relique. En l'occurrence, il ramène de Bari vers la ville de Port, à l'époque, il n'appelle pas Saint-Nicolas-de-Port, le doigt bénissant.
Il y a plusieurs vagues de miracles à Saint-Nicolas-de-Port, autour de la basilique et de Saint-Nicolas. Le principal, c'est autour du sire de Réchicourt, prisonnier par les Sarrasins, et priant tous les soirs d'être libéré de ses geôliers. Un beau matin, le 5 décembre, il se voit libéré devant le parvis de la basilique et décrète dès le lendemain d'en faire une procession. Plusieurs miracles, on l'a vu notamment par le sire de Réchicourt, le dernier, le plus proche de nous, puisque dans les années 1980, décède une ancienne portoise, une ancienne riche portoise, Camille Crouet-Friedman, qui, après avoir eu peur lors de croisières avec ses amis, implore Saint-Nicolas, prie et dit que si elle s'en sort de cette croisière, elle lèguera une partie de sa fortune pour que la basilique de Saint-Nicolas retrouve sa beauté originelle. C'est chose faite, puisque à son décès, dans les années 80, elle lègue une partie de son héritage de 7 millions de dollars pour que la basilique retrouve sa blancheur et son éclat naturel. Depuis 1477 et la célèbre bataille de Nancy que René II, duc de Lorraine, a remportée contre toute attente contre le grand-duc Charles le Téméraire, Saint-Nicolas est devenu le protecteur de la Lorraine. Il y est célébré tous les ans. Une célébration qui prend la forme d'un superbe défilé dont on a malheureusement été privé l'an dernier pour cause de crise sanitaire. Mais cette année, il est revenu, vous l'avez peut-être suivi, à Saint-Dié, à Toul, à Épinal ou tout simplement dans votre commune. Alors chose promise, chose due, maintenant on se replonge dans celui de Nancy. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. C'est un peu comme un voilier, quoi. Quand tout le monde est synchronisé, ça avance, ça fonctionne, et on essaie de le rendre le plus vivant possible. On a mis un an à le construire à 4-5 personnes, donc oui, c'est des milliers d'heures, des petits détails, c'est une pièce unique. Donc, c'est une passion. Now I'll hate going out in the storm, but if you'll really hold me tight. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Here it's in below, you're sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh, he calls a star. Why should he worry when he's nice and warm? By his side and the lights turn low, he just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. La Saint-Nicolas, c'est une fête familiale. On se régale de ses spécialités typiques, comme par exemple le pain d'épices. On ira le vérifier tout à l'heure à Épinal. C'est aussi une tradition très ancienne. On en a d'ailleurs des traces sur un tableau du XVIIIe siècle qui se trouve à Vienne. Oui, alors à Vienne, bizarrement, en Autriche. Alors pourquoi à Vienne ? Bien parce que sur ce tableau, il y a un Lorrain. C'est François-Étienne. Il était duc de Lorraine. Il est né à Lunéville. Il a épousé Marie-Thérèse d'Autriche et il a fondé sa famille à Vienne. Et ce tableau, il représente un lendemain
main de Saint-Nicolas. Il a été dessiné par l'une de ses filles. Et on voit très bien sur ce tableau François-Étienne avec son bonnet de nuit, les enfants avec leurs jouets. Et d'ailleurs, parmi ses enfants, la future Marie-Antoinette, dont c'est la première représentation sur un tableau. Manière de vous dire que depuis longtemps, les Lorrains emmènent la Saint-Nicolas partout où ils vont. On a tous une histoire avec la Saint-Nicolas. D'ailleurs, nous sommes allés vous voir pour vous demander quel était votre souvenir de la Saint-Nicolas. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. La Saint-Nicolas, déjà, c'est la naissance de ma fille qui est née le jour de la Saint-Nicolas. Donc déjà, ça, c'est le plus beau cadeau. Et moi, j'adore la Saint-Nicolas. Je suis pas d'ici, mais j'adore cette fête. C'est récupérer les bonbons, attendre le Saint-Nicolas qui jette les bonbons, puis avoir un peu les pétoches aussi du Père Fouettard. C'est sûr que le Saint-Nicolas, pour nous, surtout en Alsace, a une grande importance, et le Père Fouettard, parce qu'il nous faisait très peur. Et donc, on avait hâte que le Saint-Nicolas vienne nous donner des friandises et... Et après, ça annonçait aussi le Père Noël qui allait arriver, donc voilà, c'était chouette. Nous, petites filles, on tendait une assiette remplie de blé, une carotte pour Saint-Nicolas, son âne. Et le lendemain matin, on se réveillait avec des chocolats et un cadeau de Saint-Nicolas. Voilà. Donc c'est... on perpétue la tradition avec les enfants. C'est toujours amusant, le Saint-Nicolas, quand on descend, qu'on va déballer les cadeaux et tout ça. Moi, quand j'étais petite, j'étais pas du tout sage, mais quand même, on disait que je faisais des merveilles. Et en plus de ça, il y a un jour, le Saint-Nicolas, il est venu. J'étais gentille, il m'a donné des carambars. Quand on était enfant, on était à la campagne et Saint-Nicolas venait nous voir dans les maisons. Il venait dans chaque maison et il y avait Père Fouettard. Et bien sûr, ben, si on n'avait pas été sage, hein, et on faisait notre prière à Saint-Nicolas. C'était magique. C'était magique. On le voit toujours sur le perron, en faire son allocution. Et la magie, c'est qu'on le voit partir. Bon, Aurélie, on va pas se mentir, c'est le moment où ceux qui nous regardent sont en train de commencer à se raconter les souvenirs de Saint-Nicolas. Je dis stop parce qu'on a des tas de choses à vous montrer. Arrêtez tout de suite. En même temps, c'est normal, Jérôme. La Saint-Nicolas, c'est un moment fort pour les familles. L'occasion pour ceux qui n'habitent plus ici de revenir en Lorraine, de partager des souvenirs, un repas de famille avant d'aller voir le fameux défilé. Un défilé qu'on va redécouvrir une nouvelle fois, ce magnifique défilé de Nancy dont on vous offre le meilleur. C'est un dragon, comme tous les autres dragons, qui s'est endormi il y a des siècles, qui ne s'est jamais réveillé. Et en fait, certains enfants, un peu turbulents, ont réussi à la réveiller. Mais quand elle se réveille aujourd'hui, en 2021, elle se rend compte que le monde a bien changé. Et elle se sent beaucoup plus féminine que masculine. Et du coup, c'est en fait une dragonne. Elle se sent plus dragonne. C'est pour ça qu'elle choisit le nom Joséphine. Elle se rebaptise Joséphine. C'est un dragon transgenre qui nous raconte plein d'histoires sur le monde actuel et ce qu'on vit ici. I gave you my heart, but the very next day
la Saint-Nicolas, on se régale de spécialités typiques. Et comme on a été très très sage... Vous avez été sage, vous. Oui, c'est promis. C'est nouveau, ça. Eh bien oui, on peut se faire plaisir et manger tout ce qu'on veut de chocolat, de bonbons ou encore bien sûr de pain d'épices. Alors, sur le pain d'épices, soyons stratégiques, hein, pas le dur. Vous avez goûté le mien ? Oui, justement, pas celui qui casse les dents. Non, Aurélie, il est temps que vous sachiez, et vous qui nous regardez aussi, que faire un bon pain d'épices, c'est tout un art. On ne fabrique pas du pain d'épices vraiment régulièrement toute l'année. C'est vraiment pour la période justement des fêtes de fin d'année, entre novembre et décembre. Quelques semaines à l'avance, avant la fête de Saint-Nicolas, on prépare donc la pâte mère, qui est donc un mélange de miel chaud avec de la farine de seigle et de la farine type 55. Donc à cette pâte mère, on va rajouter le lait, qui va permettre de la détendre, parce que c'est une pâte qui est assez ferme. Ensuite, on va rajouter nos jaunes d'œufs. Donc ensuite, on rajoute donc la levure chimique, le bicarbonate de soude. Et on finit par le plus important, le mélange d'épices. Donc il y a le poivre noir, de la muscade en poudre, de la girofle en poudre et de la cannelle en poudre. Ensuite, le lendemain seulement, on peut l'étaler. Parce que là, elle est bien trop collante pour pouvoir la travailler. Voilà, donc c'est la pâte qu'on retrouve le lendemain, ça. Donc là, on est dans la dernière étape de la fabrication. Donc on étale la pâte assez régulièrement. Et on va détailler nos pains d'épices pour pouvoir les mettre à cuire au four. Voilà, donc après, nous avons la petite forme du Saint-Nicolas traditionnel. Donc, on va venir emporte-pièce notre pâte et venir les déposer sur un sille-pain. C'est quelque chose de perforé pour que la cuisson soit bien homogène. Ce qui fait un bon pain d'épices, donc c'est la farine principalement, une bonne farine locale, du bon miel aussi qui est très important, et après un savoir-faire. Le pain d'épices, c'est une spécialité de la Saint-Nicolas parce que c'était offert aux enfants pour les récompenser d'avoir donné à manger à l'âne du Saint-Nicolas. Merci Julien, coucou les Spinaliens et toutes nos pensées vers les pâtissiers qui ne doivent pas chômer en ce moment. Eh bien oui Jérôme, justement, on s'est régalé à distance. On va continuer à se faire plaisir, mais cette fois avec les yeux, avec quelques-unes des plus belles images du défilé de Nancy. So kiss me under the mistletoe. Quelques moments de l'arrivée de Saint-Nicolas, on est tous très impatients. Je suis comme tous les enfants sur la place Tannes. Mais je vais vous dire, c'est un festival de couleurs et j'ai beaucoup aimé le thème. Toutes les villes, vraiment, tous les bénévoles se sont mobilisés pour faire les chars les plus extraordinaires pour défendre les couleurs de la nature, de la faune, de la flore. Ils ont rivalisé d'imagination. J'ai trouvé ça super. Et puis, il y a des personnages, les chevaux, le chameau. Là, il y a un insecte géant. Non, c'est fabuleux. Je vous assure, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de fêtes de Saint-Nicolas ailleurs en France. Tellement c'est beau. La Saint-Nicolas, c'est tout un univers, on l'a vu dans cette émission, il y a le Saint-Nicolas, le bien, la lumière qui récompense. Il y a aussi le mal avec le père Fouettard qui lui punit les enfants qui n'ont pas été sages. Vous n'avez pas eu peur cette année ? Non, ça va, je gère. C'est bizarre. Et puis il y a eu le boucher,
le boucher copieusement sifflé une fois de plus, et pour cause, rappelons l'affaire, de ce boucher qui a quick trois petits-enfants qui s'étaient perdus, qui s'étaient réfugiés chez lui et dont il a quand même fait des petits salés. Alors justement, Jérôme, nous sommes allés voir un spécialiste du dossier. Certes, il est un peu jugé parti puisqu'il est lui-même boucher, mais vous allez le voir dans la profession, le boucher de la légende, c'est franchement une exception. C'est une légende qui remonte au 3e siècle. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ces trois enfants qui se promenaient dans des champs et qui se retrouvaient le soir affamés et perdus. Ils sont rentrés dans une auberge. Le boucher, qui ne ressemblait pas à un boucher, leur donne l'hospitalité. Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place assurément. Les temps étaient plus durs, donc le boucher s'est dit, bonne aubaine, trois enfants, je vais faire un peu de repas en plus. Pendant qu'ils dormaient, c'est à ce moment-là que le boucher intervient et tue les trois enfants pour en faire du petit salé. Alors Saint-Nicolas frappe à la porte et donc demande à la personne de pouvoir lui donner à manger et de l'héberger. Saint-Nicolas dit « je voudrais ce petit salé ». Et à ce moment-là, le boucher craque et se repentit et avoue à Saint-Nicolas qu'en fait il a tué trois petits-enfants et qu'il s'excuse et qu'il s'excuse. Et donc Saint-Nicolas après ressuscite les trois petits-enfants. Petits-enfants qui dormaient là, je suis le grand Saint-Nicolas. Bonjour. Bonjour madame. Salé, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pour combien de personnes ? 4 personnes. 4 personnes. Qu'est-ce que vous allez faire comme recette ? Je pensais faire une potée. Une potée Lorraine ? Oui, très bien. Vous m'avez dit pour 4 personnes ? Oui, s'il vous plaît. Et voilà votre petit salé. 600 grammes de petit salé. Merci, ça vous convient ? Oui. Alors, un petit salé, c'est ça, c'est un morceau de porc. Alors là, par exemple, on va être sur un collet de porc qui a été mis en saumure. Alors, c'est ou salé au sel sec ou salé en saumure. Voilà, pour pouvoir le conserver un mois, deux mois, tout l'hiver. Le boucher a mauvaise presse, évidemment, surtout dans l'imaginaire des enfants, puisqu'il a quand même tué trois enfants. Mais dès qu'il aperçoit Saint-Nicolas, il s'excuse. On entretient cette légende et cette culture. C'était un immense plaisir de vous montrer la Saint-Nicolas, ses traditions et toutes ses belles couleurs, mais il est temps de laisser la place au patron. Au Saint-Patron, vous voulez dire Jérôme, qui, comme chaque année, est venu sur le balcon de l'hôtel de ville pour recevoir les fameuses clés de la ville sur la place Stanislas, monument préféré des Français. Better watch out. You better not cry, you better not pout, I am telling you why. Cause Santa Monsieur le maire de Nancy, Mathieu Klein, accueille Saint-Nicolas. Et comme le veut la tradition, voici la clé de Nancy. Chers enfants, que je suis heureux de vous retrouver. Toute cette joie me fait penser que vous devez être aussi contents que moi. Alors, je me sens plein d'énergie en votre présence et rempli d'amour. Et ça, je veux le partager avec vous ce soir. Ce soir, ouvrons nos cœurs, ancrons nos pieds sur les pavés de notre si belle place Stanislas. Et regardons devant nous, vers l'avenir. Vers un futur plein d'espoir, où nos élans de solidarité, les uns envers les autres, guideraient nos pas et notre quotidien. Un avenir où nous prendrions de plus en plus soin de notre planète. Au revoir, les enfants. À l'année prochaine. He's coming to town. On va
va laisser Saint-Nicolas continuer sa tournée. Il est probablement passé chez vous, ou il y passera forcément. En attendant, un grand merci à toutes et tous pour ce beau moment passé avec nous. Il nous reste à vous souhaiter du fond du cœur une belle Saint-Nicolas. Et de très belles fêtes de fin d'année.